Il y a quelques jours, on est arrivé, un beau matin, et on a trouvé sur la place de la République une superbe rampe. Moi, j'ai rarement vu des rampes aussi grandes. Puis en plus, là, pile à l'endroit où d'habitude, nous, on a notre caméra, enfin pas notre caméra, où on filme les assemblées générales. Et j'ai rencontré Rémi, oh là là, pourquoi je dis Gérard, je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré Rémi, qui était donc sous la pluie parce qu'il faisait un temps de... Hein, on est d'accord ? Qui venait de finir de l'installer, donc c'était quoi, 18h, 19h, on était tous frigorifiés au bord de la crève. Et évidemment, un peu de surprise parce qu'en fait, on a l'habitude d'être sur cette place, de l'occuper depuis maintenant plus de 3 mois, près de 3 mois quoi. Et donc, globalement, on a eu raison de l'Euro 2016 puisqu'ils n'ont pas installé sur la place de la République parce qu'on y était et que ça créait des conditions de sécurité pas suffisantes. Et puis là, cette rampe. Alors, un peu d'animosité par-ci, un peu de surprise par-là. Et puis, finalement, plutôt l'idée assez positive que du coup, il y aurait pas mal de jeunes qui vont venir sur la place. Pas forcément pour Nuit Debout, mais pour venir faire du skate. Et qui sont dans un esprit quand même assez compatible avec Nuit Debout. Et donc, l'idée de ne pas arriver en confrontation, mais plutôt d'arriver en essayant d'être dans un esprit de partage et de collaboration et d'écoute et de partage. Donc Rémi, toi tu es le président de cette association qui s'occupe de populariser ou en tout cas de donner accès un peu plus à des lieux de skateboard à travers la France ou à travers Paris d'ailleurs. Ouais, principalement à travers Paris, mais j'ai travaillé aussi au niveau national et européen. Ouais. Et international avec la Fédération Internationale, le skate c'est un peu c'est sans frontières. D'accord. Mais après là, Paris Skate Culture, qui est l'association qui a monté la rampe, et l'association la plus grosse association de skate parisienne, qui a un projet éducatif avec une école de skate, avec du skate à l'école, pendant les ARE, pendant les accompagnements éducatifs, dans les quartiers prioritaires qu'on dit politique de la ville parce que ce sont des quartiers difficiles, comme Charles Hermite dans le 18e, Porte de Vanves 14e. Donc on n'agit pas que dans le 3e où il y a notre quartier général, mais on agit aussi dans tout Paris. D'accord. Donc vraiment à chaque fois l'objectif c'est à travers le skate de retisser un lien, c'est quel est l'objectif? J'imagine que toi tu es un grand fan de skate, tu fais du skate depuis 40 ans, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Et donc, comment est venue cette idée? Comment toi tu en es arrivé à te dire là je veux m'engager, je vais essayer de faire quelque chose de concret pour lier ma passion et quelque chose d'utile pour la société? Ça se fait naturellement en fait. Moi je suis musicien aussi, donc j'ai toujours vécu de ma passion. Donc de fil en aiguille, j'avais fait de l'événementiel, j'ai fait de l'événementiel professionnellement. Et donc j'ai dans le skateboard, mais aussi dans la musique, j'ai créé des festivals, des choses comme ça, où on crée du lien. Mais il y a des choses qui sont ponctuelles, comme l'événementiel, puis il y a des choses qui sont plus sur la longueur, comme effectivement une association de skateboard. C'est de la création d'emplois, c'est s'occuper de centaines de gamins à l'année, c'est des relations avec la mairie, avec les instances politiques, avec les instances, tous les services sociaux, les machins. Puisque dès qu'on s'occupe d'enfants, il y a pas mal de règles à respecter, ce qui est normal. Donc c'est un boulot qui est quand même, c'est une passion, mais c'est un vrai travail. D'accord. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais ça, j'en doute pas. Et puis surtout, le fait de faire venir cette rampe ici, à cet endroit-là, ça, c'est pas mal de négociations, j'imagine, avec la mairie de Paris. Avec la direction de la jeunesse et des sports, j'imagine. Oui, en fait, ça fait plusieurs années que j'en parle. Avant, il y avait Bertrand Delanoë, donc j'en ai parlé à son adjointe à l'époque, Anne Hidalgo, qui nous aime bien parce qu'elle voit qu'on est sur la longueur, que quand on n'est pas d'accord avec la mairie, on le dit haut et fort, et qu'on a été pendant des années sur une liste noire. Parce qu'on était des militants et qu'on était en train de dire tout haut ce que certains n'avaient pas envie d'entendre. D'accord. C'est toujours pareil. Une sorte de mise à l'écart, que une certaine jeunesse était mise à l'écart et qu'on leur offrait pas les moyens de pouvoir. Disons qu'à l'époque, on ne comprenait pas l'intérêt
Exact. C'était quoi le skateboard? C'était un jouet dangereux sur la voie publique? C'était... c'était du n'importe quoi? C'était des vieux ados qui faisaient du skate? Ou c'était des petits bourgeois? On a tout eu. Enfin, on a eu tous les clichés. Et d'ailleurs, effectivement, le skate, c'est à la fois des petits bourgeois, des gens de banlieue, des noirs, des blancs, des femmes, des longboarders, des streeters, des gens qui font de la courbe. Donc, c'est pas monolithique. Le skateboard, c'est plutôt l'expression d'une individualité, d'une diversité et aussi qui nous mène à une certaine unité puisqu'on se retrouve autour de cet engin à roulettes qui est peu probable puisque c'est qu'une planche de bois avec quatre roues et qui a une longue histoire. Mais c'est vrai que ça fait que quelques années que les services officiels, on va dire, de mairie, et pas que de Paris, hein, de toute la France, commence à prendre au sérieux le skateboard parce que c'est un outil formidable à la fois qui est créateur d'emplois puisque à travers un club de skate on crée des emplois, dans les skate shops on crée des emplois, dans l'industrie du skate qui est une grosse industrie aux États-Unis et aussi en Europe on crée des emplois, et puis après il y a la musique qui va autour, le vêtement, des jeunes qui créent des marques, beaucoup de graphisme, aussi du web, beaucoup de web. D'accord. Donc c'est un univers quand même. Beaucoup de vidéos aussi. Voilà, beaucoup de vidéos. Oui. Parce que je crois que dans le skate, il y a beaucoup de belles vidéos qui ont été filmées. Il y a des expérimentations en termes de captation qui sont assez exceptionnelles. Donc par exemple, ces caméramans qui filment au ras du sol avec des poignées un peu spéciales qui permettent de stabiliser un peu la vue. Et l'utilisation du GoPro, je crois que c'est vraiment aussi une des premières occasions d'utiliser ces petites caméras portatives qui permettent de faire des images de très haute qualité. Non mais le skate, en fait, c'est... un espace d'expérimentation, ouais, quand même assez important, non ? Les gens... Et après, il y a beaucoup de gens différents, beaucoup de... Chacun a un peu sa définition du skate. Il n'y a pas... chaque skater pourrait te définir le skate d'une façon presque différente. C'est marrant. Quand tu dis ça, j'ai presque l'impression d'entendre un nuit de boutiste dire chaque nuit de boutiste peut te définir nuit debout selon sa manière de voir les choses. Hein. Ouais, c'est ça. On a tous des yeux pour voir et on voit pas tous la même chose. Donc, on a chacun sa vision, chacun son vécu. C'est un rapport au corps aussi, le skate, suivant que tu es à l'aise dans ton corps, t'es grand, t'es petit. Voilà, c'est un lien à la fois charnel et puis aussi il y a l'engagement, comme dans des sports, je sais pas, comme le rugby. Qui a rien à voir, mais comme ça c'est un sport où tu peux pas faire semblant. Moi je fais de la boxe aussi, c'est pareil, tu es là, soit tu combats, soit tu combats pas, mais tu peux pas être là à moitié et te cacher derrière tes gants. Donc en fait il y a une recherche de vérité dans le skate, d'un moment unique. Il y a une recherche aussi de dépassement de soi, un moment pur, c'est ça un peu. Bah, quand tu fais une nouvelle figure, quand tu réussis quelque chose, t'as une espèce de satisfaction qui n'est pas de l'argent, qui n'est pas... C'est quelque chose qui t'appartient et que tu partages aussi avec les autres. Parce qu'en général, t'aimes bien faire des prouesses devant tes potes. Donc, c'est un sport individuel, mais pratiqué en petit groupe. D'accord, c'est un peu l'individu dans le collectif. C'est un individu qui retisse des liens avec le collectif. Mais alors, justement, c'est un peu aussi ça là-dessus sur lequel je voulais venir. C'est le rôle du skate dans l'ambition de retisser des liens. Comment ça fonctionne, c'est-à-dire dans le lien social, j'entends. C'est-à-dire, est-ce que des gens qui sont... Parce qu'une planche en soi, on va dire la planche de départ, ça coûte pas cher, mais elle dure pas longtemps parce qu'elle se casse vite. Et donc, dès qu'on veut commencer à faire du skate de manière un peu intensive, bah, tout de suite, les planches commencent à coûter un peu cher. Il y a les roues, il y a le roulement à billes. Enfin, tout ça, ça commence à raquer. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut accéder à toutes les classes sociales? Alors, bon, déjà, quelqu'un qui casse sa planche tous les mois, c'est quelqu'un qui skate très fort et qui va sûrement être sponsorisé par une boutique, par une marque, et qui va réussir à trouver une planche pas chère. Et puis, on se donne les planches entre nous. Donc, à quelqu'un qui veut skater, c'est moi, je suis musicien, je viens pas d'un milieu social du tout. Je viens pas de la haute, je suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Le jour où tu veux t'acheter une Fender Stratocaster, faut que tu casses ta tirelire. Tu veux faire du skate, faut que tu trouves les moyens de faire du skate. Donc tu vas bosser. Moi j'ai bossé dans une pizzeria pour m'acheter mon premier skate, j'avais 11-12 ans. Et j'ai bossé 10 jours, j'ai
15 jours, j'ai gagné 20 francs par jour, et quand j'ai eu mes 300 francs, j'ai été acheter mon skate à la Samaritaine. Alors, c'est toi, et à un moment donné, il faut arrêter toujours de croire que ça vient d'ailleurs. Il faut se bouger. Donc après, il y a des gens qui ont plus de facilité, parce qu'ils vont avoir un milieu social qui leur permet, papa, maman, d'avoir des skateboards sans trop se casser la tête. Mais même des jeunes de banlieue, des jeunes de Paris qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils se débrouillent, parce que quand ils sont motivés, soit un copain va leur filer la planche usée, soit ils vont se faire sponsoriser, ils vont gagner un contest, ils vont... Je pense pas que le skate soit inaccessible. Mais alors, est-ce que du coup, c'est une sorte de motivation pour justement se dire, bon ben, j'aime faire ce truc-là. Bon ben, les autres trucs, j'ai pas forcément envie de faire d'efforts. L'école, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai pas envie de faire d'efforts pour bien parler aux gens. Mais ce truc-là, j'adore, donc je vais faire des efforts pour que ça puisse marcher. Est-ce que c'est un truc, une sorte de déclic? Est-ce que la planche est l'occasion de déclencher des choses? En fait, quand, par exemple, tu peux être en échec scolaire, et ça m'est arrivé à une époque, personnellement, où j'avais été un peu en révolte. Je m'étais retrouvé au lycée Henri IV parce que j'habitais dans le 5e, et je me suis retrouvé au milieu de fils de ministre, de machin, et j'étais pas trop dans mon élément. Et j'étais en rupture totale, je rendais des feuilles blanches, mais pas parce que j'étais mauvais, c'est juste parce que pour leur dire, allez vous faire foutre. Et quand j'ai rencontré le skate, bon, j'étais très bon en gymnastique, donc par contre la gym, j'étais le premier du lycée dans ma catégorie, mais je voulais pas marcher au pas. Et j'ai rencontré le skateboard, parce que la gymnastique, on te fait marcher au pas. Et le skateboard m'a permis, ça a été un tremplin pour moi, en fait ça m'a permis de réaliser que j'avais du talent et que je pouvais développer ce talent et qu'on pouvait tout d'un coup se surprendre soi-même en fait. Alors que des fois dans ta propre famille on va dire mais pour qui tu te prends, mais tu feras jamais rien. Un jour j'ai fait un casting pour un film de cinéma, j'ai été élevé à la campagne et quand je suis rentré dans ma famille, je leur ai dit que j'allais peut-être faire un film, ils m'ont fait mais t'es un malade, de toute façon t'es... Ils m'ont mis plus bas que terre, ouais. Alors que le film, je l'ai fait ensuite, hein, 3 mois plus tard, avec Higelin, j'avais le premier rôle. Mais des fois, ta famille, elle croit pas en toi. D'accord. Et le skateboard, c'est un moyen, à travers aussi tes copains skateurs, qui sont souvent plus grands que toi, il y a une espèce de fratrie, de grands frères, de choses comme ça. Des fois, le manque du père, tu le retrouves chez un copain skateur, c'est un gars plus grand que toi qui va te montrer la voie sur certaines choses. Et donc, le skate, ça peut être un tremplin pour certains garçons et certaines filles d'émancipation, de prise de conscience du corps, de se lâcher, de prendre des risques et aussi de jouir de la vie, quoi, et d'avoir conscience que la vie, ça peut être des moments magiques aussi. C'est pas que être au chômage, c'est pas que être en guerre avec la société, avec l'école, avec je ne sais quoi. C'est des moments de jouissance à part entière, même avant d'avoir connu la jouissance du corps quand on est adolescent, parce que ouais. Quand on a 11 ans, on n'a pas encore fait l'amour, mais on a déjà eu des moments d'extase. Vous avez déjà eu le moment où vous avez plané, quoi. On a déjà plané, quoi. Ouais. Ouais, voilà. C'est notre manière d'être au 7e ciel avant l'âge, quoi. Ouais, le skate, c'est vraiment donc... quelque chose qui peut te faire grandir. Et donc du coup éventuellement voilà permettre de retisser un lien avec un milieu en tout cas ou en tout cas de retrouver une forme de confiance en soi. En fait c'est de ça dont tu me parles finalement. Oui, c'est ça. C'est retisser le lien avec les autres à travers sa propre manière de s'estimer soi-même. Quand tu es en bonne estime de toi, c'est beaucoup plus facile d'accompagner d'être dans un groupe, de découvrir un groupe, on est rassuré déjà parce que voilà on sait qu'on vaut quelque chose. Mais c'est il y a quelque chose qui est pas dit. On voit le résultat parce que ça fait rêver, mais la réalité c'est que c'est beaucoup de travail, c'est des heures et des heures et des heures à skater, à faire des rails, à se planter, à s'écorcher les genoux, à s'écorcher les coudes, à peut-être manquer de se taper la tête. Mais ça, c'est des heures et des heures de travail, quoi. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose de vérité dans le skate, puisque tu peux pas faire semblant de skater et quand tu tombes, ça fait mal. Donc c'est comme dans la vie, quoi. Après, il faut se relever. Donc on apprend à tomber, on apprend à se relever. Après, il ne faut pas non plus faire le fou. Il ne faut pas non plus avoir une trop grande confiance en soi qui te fait prendre des risques inconsidérés, qui,
qui vont finir en fracture et peut-être tu seras obligé d'arrêter de faire du skate. Donc il faut trouver une espèce de balance, d'équilibre entre son envie de se dépasser, de prendre des risques, mais à bon escient, quoi, sans faire un truc où tu sais que si tu tombes, tu te casses les deux jambes. Voilà, il faut pas être, c'est pas être débile, mais les skateurs sont des gens quand même assez conscients de leur, leur niveau, et à force de persévérance et à force de travail, mmh. un peu comme un violoniste, hein, faut beaucoup d'heures de travail, c'est très précis, hein, et il arrive à se jeter sur un rail et à poser son skate exactement là où il faut pour pas tomber, au centimètre près. Et ça, c'est vraiment magique. Et c'est quelque chose d'inexplicable un peu, parce que quand on regarde de l'extérieur, soit on prend les skateurs pour des fous, des cascadeurs, on sait pas trop en fait. D'accord. Mais à force, je pense que le skate aujourd'hui, à force d'être entré dans la pub, dans le cinéma, dans... le skate est partout aujourd'hui. Ouais. Il est un peu, même un peu trop partout. Il est un peu mangé à toutes les sauces. Mais nous, Paris Skate Culture, on est là justement pour essayer de, dans les moments où justement le skate est mal vu, de donner une meilleure image auprès des parents, auprès de la mairie. Mmh. Pour dire, le skate, c'est un truc positif pour les gamins, parce que quand ils sont place de la République en train de travailler leur flip. Voilà. Donc c'est juste la deuxième fois, hein, en fait, qu'elle faille. Tout à l'heure, elle a fait genre 1m50 toute seule avec un coup de vent. Et là, c'est le toit qui a failli nous tomber sur la tête. C'est notre côté gaulois qui fait ça. Donc, on était en train sur justement la prise de risque, justement le fait de savoir trouver le juste milieu entre. En fait, dans le skate, il y a plusieurs écoles. Il y a ce qu'on appelle les trashers, les mecs, tu vois, qui n'ont rien à foutre de rien, de se faire mal, de machin. Il y a des gens plus raisonnables, il y a des gens qui aiment bien la courbe, il y a des gens qui sont un peu comme des surfeurs. Il n'y a pas une définition du skate. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le jour où tu achètes un skate, tu te mets au skate, c'est à toi d'inventer ton skateboard. C'est à toi d'inventer ta palette, comme un peintre, d'inventer ta façon de skater, même si tu vas par mimétisme copier. Mmh. Comme n'importe quel peintre d'ailleurs, copier ceux qui sont venus avant toi. Mais il y a à chaque fois une nouvelle figure à inventer, il y a quelque chose à faire. On croit qu'on est arrivé à un niveau... c'est vrai que le niveau du skate aujourd'hui est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, le skate va peut-être entrer aux Jeux Olympiques. Ah ouais, on aura la réponse au mois d'août. Ah, d'accord. Voilà, donc imagine pour les skateurs qui sont totalement libertaires, anarchistes, c'est une abomination. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas, de toute façon, s'il va aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on y peut, autant alors, l'accompagner. Oui, mais alors, tu sais, immanquablement, il y a cette question qui se pose là. Aujourd'hui, le sport est quand même beaucoup teinté de triche. Et donc, c'est quoi la triche en matière de skateboard? Non, mais elle existe. Non, ne dis pas qu'elle n'existe pas. Non, en skateboard, il n'y a pas de triche. Franchement, il n'y a pas de dopage. Non, ça n'existe pas. Non, mais vraiment. Je sais pas, il y a du shit pour faire descendre la pression. Non, avant mais attends, un, que les mecs fument. Ou... Non, je vais te dire, quand tu skates, il y a des mecs qui fument et qui skatent aussi bien que s'ils n'ont pas fumé. Et quand tu vas te jeter sur un rail de 15 marches, je pense pas que la première chose que tu te fais, c'est de te rouler un gros pétard. Bon, alors, ni d'être sous, tu vois, parce que c'est une perte d'équilibre. Mais par contre, il y a des mecs qui fument, qui boivent. Effectivement, le skate n'est pas propre sur lui. Le skate, c'est un sport de rebelle. Ils vont avoir des problèmes de toute façon. Les Jeux Olympiques, s'ils veulent un truc total clean, il faudra que les skateurs qui participent aux Jeux Olympiques, quelques semaines avant, parce qu'ils sont d'ailleurs, il y a des gens qui fument pas et qui boivent pas non plus, hein, dans le skate, qui sont straight age, qui sont végétariens, machin. Il y a aussi beaucoup de skateurs comme ça. Et voilà, mais il n'y aura pas plus de problèmes qu'ailleurs. En tout cas, les mecs se font pas des shoots de testostérone. On est d'accord. Donc on est d'accord. Vois, on n'en est pas là. S'il y a pas plus de problèmes, s'il y a pas plus de problèmes qu'ailleurs, ça veut dire qu'il y a quelques skateurs. Moi, je te demande pas de donner des noms, mais plus de savoir comment ça, c'est quoi. C'est est-ce qu'il y a une, parce que je sais qu'il y a des drogues spécifiques au foot, non. D'autres qui sont spécifiques au tennis, d'autres qui sont spécifiques à la course à pied, etc. Donc ou même au vélo. Non, mais il y a pas, on n'en est pas là. À la rigueur, je sais pas, peut-être. Il y a quand même des enjeux, par exemple sur les sponsors, où il y a des jeux extrêmes, etc. qui font que les mecs ils doivent être OP le jour J, quoi. Et ils doivent être peu sans peur, machin. Donc il y a, dans ces moments-là, pour être prêt au rendez-vous. Certes, le travail intellectuel et psychologique, ça compte, mais... Non, je crois que c'est pas vraiment un sujet
que tu pourras développer parce que c'est le skate étant un truc en développement, ouais. On n'est pas encore touché par le phénomène du dopage. Il y a beaucoup de skateurs fument, boivent des bières, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas. Peut-être qu'il y en a qui prennent de la coke, mais moi personnellement, j'en ai jamais vu. Mmh. Tu vois, pourtant, je suis dans ce milieu tous les jours. Et les skateurs, ils sont comme tout le monde. Hein. Je veux dire, moi, des fois, ils me saoulent. Je leur dis, mais t'es un skateur, mais t'es un être humain. Arrête de me saouler avec ton skate et ta vision. Ça fait 3 ans que tu fais du skate. Arrête de croire que le skate, c'est toi qui l'as inventé, quoi. Voilà, donc. Ce sont des êtres humains, ce sont des sportifs. Le mec, s'il veut être le jour J au top, il faut qu'il travaille. Et t'as des mecs aux États-Unis au championnat du monde, et t'as des jeunes skateurs, ils arrivent à 7h du matin et ils s'entraînent, comme n'importe quel sport. D'accord. Et après, y a des skateurs qui trouvent ça abusé, qui trouvent que c'est le skate, c'est pas un sport. Pour beaucoup de skateurs, le skate n'est pas un sport. C'est un style de vie, c'est ça ? Moi, je dirais c'est une discipline. Alors, ça peut être un mode de vie. Mais tout ça, c'est du marketing, parce que tout ça, c'est récupéré par Quicksilver, par toutes ces grandes marques qui vont te faire des t-shirts, machin. Mais qui vont être faits par des petits Chinois, faut arrêter, quoi. On n'est pas dupes. Le skateur est un consommateur. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément conscience que les chaussures qu'ils portent sont des chaussures qui ont du sang sur leurs semelles. Ouais. Moi, des fois, voilà, je fais mon vieux con. Je leur dis, les gars. Regardez quelle marque vous achetez. Essayez d'acheter des marques, au moins de skateurs. Qu'on fait un skateur qui a créé une société, qui a fait travailler des skateurs et qui fait des belles chaussures pour le skate. Pas une marque qui fait aussi bien du golf, du foot, du basket, machin, qui pèse des milliards d'euros et qui supprime des emplois dans tous les pays où ils vont. Et voilà, mais moi, ils m'écoutent. Mais en fait, la nouvelle génération, ils ont... Tu vois, il y a des marques, il y a 4 ans, 5 ans, elles étaient bannies du skate. Je ne citerai pas de nom. Tout le monde a dit, mais cette marque, elle n'a rien à faire dans le skate. Aujourd'hui, à République, 50% des skateurs portent cette marque. Parce qu'ils ont fait un travail de marketing. Ils sont arrivés par la petite porte. Ils ont loué des petits skateparks. Ils ont utilisé des skateurs pour faire des petits événements. Et hop, de plus en plus... ils s'installent au cœur de la ville et puis ils proposent même à la mairie des choses incroyables. Mais est-ce que c'est pas le prix à payer pour faire partie des JO par exemple ? On sait que les JO c'est quand même le royaume de Nike, Adidas et consorts. Oui, donc, quand tu vois l'Euro du foot, c'est pareil. Hein, ouais. Tu regardes les marques qui passent sur les banderoles, c'est les marques que tu viens de citer, c'est des marques de bière. Bon. En France, tu vois, on a un problème avec l'alcool, ce qui est spécifique à la France. Mais je veux dire, le sport est à vendre. Le sport est à vendre. Mais aujourd'hui, quand tu vois les sportifs français qui sont sélectionnés pour représenter la France, très peu d'entre eux ont les moyens de s'entraîner correctement et ils sont obligés de bosser pour gagner 600 euros, 1200 euros par mois. Ça, c'est scandaleux. Quand tu as autant d'argent dans le sponsoring... t'as autant de partenariats entre l'État et des grandes marques de chaussures, tu te dis mais comment ils n'arrivent pas à prendre 100 millions d'euros et à les donner à des jeunes qui vont représenter la France et quand ils auront une médaille, tout le monde va se pignoler en se disant ouais, c'est la France. Mais non, c'est lui qui a gagné, c'est pas la France. D'ailleurs, je n'aime pas les Jeux Olympiques parce que pour moi, c'est le symbole du nationalisme, c'est la fierté du drapeau, etc. quoi. Donc c'est vrai que le skate n'est pas dans les valeurs olympiques. Mais malheureusement ou heureusement, ça va quand même y rentrer un jour ou l'autre. Merci beaucoup pour ta franchise, Rémi. Merci beaucoup. Pas de souci. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que j'avais pas vu le JO sous cet angle-là, mais tu as tout à fait raison. C'est, on parlait de la misogynie de Pierre de Coubertin. Il suffit de taper Pierre de Coubertin. Vous entendez les paroles de misogynie qui ont été prononcées par ce créateur des JO. Ça fait vraiment très peur dans le dos, quoi. Ouais. Là, tu te dis, aujourd'hui, le mec sera en prison, quoi. Ouais. Bon, il a dit que les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques avec les femmes, ce serait une horreur, quoi. En gros, il a dit que ce serait immonde. Bon, il aimait bien les garçons, peut-être c'est pour ça. Mais. Là, par contre, c'est toi qui penches de son Olympique. Non, je pense qu'il avait ses propres goûts, il a le droit, mais il est resté sur la version grecque des Jeux Olympiques, parce qu'une femme qui allait sur l'épreuve des Jeux Olympiques pouvait être condamnée à mort. Les Jeux Olympiques, au départ, c'est vrai que c'était assez spécial, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu une grande entreprise
Mais pour un sport, c'est aussi un tremplin. Ça peut aider à développer des skateparks, à des jeunes skateurs de se professionnaliser et d'avoir peut-être un jour vivre de leur passion. Donc moi, je suis pas contre le skate aux Jeux Olympiques. Je suis pas dupe non plus de ce que c'est. Et on va essayer, les papas du skate dans le monde entier, d'accompagner le skate proprement aux Jeux Olympiques s'il y va. D'accord. Voilà, mais on essaye de minimiser la casse, on va dire. D'accord, parce qu'il y en aura forcément, quoi. On n'est pas en phase avec les JO, avec le cadre des JO, le skate, si tu regardes le skate de près, bon, effectivement, il y a des rumeurs comme quoi le skate ne pourrait pas être aux JO pour des problèmes de contrôle de dopage. Je ne sais pas depuis quand le cannabis est un dopant, mais je ne crois pas que ça aide à faire des performances, en fait. Non, mais ça aide à se détendre. Donc Ouais, mais je crois que non, tu prends un bon bain, mais je crois que non, je crois pas que ce soit la meilleure. Alors ça va être testé, ça. En comparer un joint avec un bon bain, ça va être testé. Un dos froid, d'accord. Voilà, les deux en même temps, on va tester aussi. De toute façon, ils ont du fil à retordre avec leur contrôle, hein, je leur souhaite bonne chance. Ouais. Mais pour nous, en tout cas, ça peut être l'opportunité de développer le skate dans des pays comme, là j'ai un projet en Jamaïque, il y a du skate en Ouganda, il y a du skate en Tunisie, en Algérie. Le skate se développe dans les pays en développement. Et c'est une bonne chose. Et les skateurs aident à développer le skate en Afghanistan. Il y a une des plus belles écoles où vous regardez, vous tapez Skatistan, ouais, vous allez voir quelque chose de merveilleux. C'est le seul sport que les filles ont le droit de pratiquer. Ah, c'est excellent. Ah oui, non, mais c'est les skateurs sont des gens aussi engagés dans tous ces mouvements contre la misogynie, et oui, contre l'homophobie, contre plein de choses, et aussi on a fait des actions en Palestine, on a fait des actions, voilà, dans des pays improbables où on se dit non, ils vont pas faire de skate, mais ils ont le droit aussi de faire du skate. Donc là, on a envoyé 15 skates en Jamaïque, on a trouvé un lieu, on va essayer de leur construire un skatepark, et il y a une petite scène en Jamaïque qui est en train de monter. Il n'y a pas de raison que les enfants de Jamaïque n'aient pas aussi le droit de faire du skate. D'accord. Et donc, ça se développe dans plein de pays, en Asie, en Afrique. C'est super. Ouais. Alors, c'est aussi ça, le skate, quoi. Oui, c'est oui, pas que des petits bourgeois qui achètent des planches à 200 balles. Mais alors, je suis en train de penser, il y a un nouveau truc, des nouveaux, comment dire, outils de glisse, on va dire, qui débarquent. C'est pas si courant que ça. Il y a la trottinette qui a... Alors, c'est un vieux truc. Mais en même temps, oui, il y a le skate électrique, effectivement, mais il y a le skate, à Bercy, il y a de plus en plus, il y a cette plateforme, ce petit skate park. Je vois quand même, je crois qu'il y a presque la moitié des gens qui sont là-bas en trottinette, enfin, la dernière fois que j'y étais. Donc, je trouve c'est aussi un des aspects qui se développe, non ? En fait, dans les skate parks, tu as le skateboard, qui est le fer de lance. Ensuite est venu le BMX, le bicross à l'époque, bien sûr, oui, oui. Vélo. Ensuite, bon, il y avait le roller. Donc c'est les trois sports de toujours, qu'on a toujours eu au Trocadéro aussi, parce que avant d'être République, c'était le Trocadéro. Et la trottinette freestyle qui est arrivée il y a quelques années. En fait, pourquoi il y a beaucoup de trottinettes? Parce que c'est très facile d'en faire et que c'est beaucoup plus accessible, notamment pour des petits. Par contre, ça coûte assez cher, hein, plus cher qu'un skateboard. Ouais, ouais, ça peut coûter jusqu'à 400 euros une trottinette. Et donc, voilà, la facilité du truc fait qu'il y a beaucoup de... Mais c'est en train un peu de descendre. Mais il y a tous les 2-3 ans, il y a toujours un nouveau sport de glisse. Mais le skate électrique, tout ça, c'est des trucs pour se balader. Ce qu'ils appellent l'overboard, c'est une connerie pas du tout écologique, ouais, qui est un truc de mode qui va rendre les gens obèses. Parce qu'ils peuvent marcher, hein. Ouais. Et non, le skate, ce qui est génial, voilà, c'est une planche de bois, deux essieux, des trucks en acier, quatre roues, des roulements, huit vis. Il y avait un moment cette planche avec comme ça là. Ouais, articulée. Articulée. Je sais pas comment ça s'appelle. J'avais offert ça à mon petit frère, en fait. Il avait 11-12 ans. Le snakeboard. La snakeboard, ouais. Ouais. Ça c'est un peu disparu. Non, il y a toujours des. Ça donnait du style quand même, je trouve, non? Ouais, enfin pour nous le skater, c'était un peu un... Les skateurs sont assez puristes. Donc à partir du moment où le mec a les pieds attachés, c'est plus du skate. D'accord. Mais après, on a cohabité avec eux, il n'y a pas de problème. D'accord. Après, voilà, faut que tout le monde arrive à cohabiter. C'est aussi ça l'école sur cette rampe. Là aujourd'hui, tu avais des rollers et des skateurs et des BMX. Il y a eu une embrouille
avec des skateurs, un skateur pardon, et un roller. Ils ont failli se taper dessus, mais bon, c'était que des mots. Et des fois, ça se chauffe, mais c'est comme dans la vie. Je veux dire, là, depuis qu'on est à la République, il y a une bagarre tous les 3 heures autour de la rampe. Les skateurs restent les riders sont des êtres humains, ils peuvent être aussi cons que les autres. Et ils défendent leur beefsteak et leur espace, quoi. Donc, ce qui est intéressant là sur ce petit espace, c'est comment on arrive à partager cet espace de façon intéressante. Comment on arrive à partager l'espace aussi avec Nuit Debout, avec les SDF qui sont autour, qui nous ont vus au départ comme une menace. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, mais attends, c'est super, ça nous fait un truc à regarder, c'est beau, ça donne de l'énergie, c'est positif. Ouais. Ben alors, c'est justement ça, en fait. C'est le skate est aussi une manière, finalement, c'est un passage aussi. Enfin, en tout cas, c'est un passage vers un peu la maturité, un contrôle sur soi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une estime de toi, ça t'aide un peu à passer à l'âge adulte. Et je trouve que je vois de plus en plus des gens qui vont au travail en roller. C'est-à-dire, ils ont leur costard, etc. Et puis, ils ont leur roller. Puis, de temps en temps, je vois aussi des gens en longboard je ne sais pas si j'en ai déjà vu dans le métro, mais en tout cas dans le bus, par exemple, qui arrivent avec leur longboard dans le bus. J'habite à Ménilmontant. C'est au bout de cette longue descente. Donc j'ai vu un certain nombre de fois des longboards descendre de manière un peu folle, je trouve, cette rue-là. Donc il y a aussi les adultes qui s'y mettent. C'est un vrai outil de mobilité urbaine, non ? Le skate, en fait, c'est comme la moto. Tu as la motocross, la moto de ville, en gros. Donc la motocross, le skate acrobatique. C'est tous les trucs qu'on fait, le street, la courbe, machin. Et après, ce qu'on appelle les cruisers, c'est des skates de balade qui ressemblent à des petits longboards. Après, tu as toutes ces planches pennies en plastique qui ont été très à la mode parce que ça peut... En fait, ça passe bien sous la pluie, ça rentre dans un petit sac, on peut l'emmener à l'école. Ouais. Effectivement, le skateboard, c'est un outil de mobilité et écologique. Hein, au-delà du plastique qui est utilisé, bon, de la chimie qui est utilisée pour faire ces produits. Mais c'est vraiment une alternative au vélo. À l'auto, évidemment, pour la ville, surtout pour des distances pas trop longues. C'est hyper agréable parce que tu rentres pas dans le métro, t'enlèves pas tes chaussures et tu fais 2, 3, 4, 10 stations de métro, t'as pas vu le temps passer et en même temps tu fais un peu de sport. Donc c'est génial. On a tout souvent été mal vus parce que aussi les skateurs des fois sont un peu bourrus, ils font pas gaffe, les jeunes notamment, ils slaloment au milieu des piétons sur les trottoirs. Parce que c'est vrai qu'on est avec les roues dures qu'on a, c'est pas évident de skater dans la rue, c'est dangereux, on peut finir sous une bagnole. Donc voilà, faut apprendre aussi, les skateurs doivent apprendre à rouler avec respect, ouais, au milieu des passants, savoir ralentir. Mais quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Il y a très rarement des accidents de skate et de piétons. Il y en a beaucoup plus avec des vélos, avec des motos, ouais, et etc. Oui, des deux roues motorisées, n'en parlons pas. Donc c'est un vrai moyen de déplacement, c'est une vraie alternative. Et en fait, tu peux, même à 40 ans, tu peux démarrer le skate. Nous, on donne des cours à des adultes, à des enfants de 4 ans, à des gens de 50 ans. Il faut avoir envie de monter sur une planche. Ouais, c'est un peu comme le théâtre, il faut avoir envie de monter sur les planches. Et voilà. Être prêt à faire son show. Ouais, il y a un peu ça. C'est pas forcément faire son show, faire du skate, mais on sait qu'on est, tout d'un coup, on est regardé. Et c'est vrai que c'est important pour un adolescent, tu parlais d'initiation, un peu de quelque chose d'initiatique, d'un passage à l'âge adulte. Comme aujourd'hui, il n'y a plus le service militaire, ouais, qui a été très décrié, que moi j'ai refusé de faire. Je voulais pas qu'on me coupe les cheveux, je préférais passer pour un fou. Donc j'ai réussi à me faire réformer, P4. P4, oui, je sais plus. Non, P5, je crois. Je sais plus, en tout cas, ils ont mis inapte. Ah, d'accord. Je suis cassé. Le service militaire, à un moment donné, pour les garçons notamment, ça servait aussi à se confronter aux autres mecs, à un univers comme ça. Ça les sortait de leur cocon familial. Et tout d'un coup, il n'y a plus ça, quoi. Et il n'y a plus en plus les rites initiatiques rituels de, ouais, nos ancêtres, ouais, dans les tribus, les fourmis rouges. C'est ça, ouais. Où à 14 ans, pour devenir un homme, il fallait un peu souffrir. Donc bah oui, ces outils urbains comme le skate et d'autres sports, hein, pas que le skate, le hip-hop, je pense même au parcours, peuvent servir de rite initiatique. D'accord, ouais, effectivement. Merci beaucoup Rémi. Avec plaisir. Écoute, bonne continuation.